Salut tout le monde, bienvenue dans ce vlog déménagement numéro 5. Je vous retrouve, il est 8h du matin, petit topo de la soirée, puisque je n'ai pas fermé le vlog, puisque je vous ai pris la dernière fois que pour monter cette fameuse petite table. Du coup, on s'est pris un petit domac, vous savez, avec les menus les moins chers possibles. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je suis allée à la douche, c'était extrêmement agréable, voilà. Par contre, pas du tout assez de pression pour me laver les cheveux dans la douche. Donc il va falloir que je change le pommeau pour avoir plus de pression, parce que sinon ça va pas être possible, moi, pour mon entretien de mes cheveux, ne pas avoir de pression. Si vous êtes une fille et que vous êtes comme moi et que vous avez besoin de pression, mettez-le moi en commentaire, parce que franchement je n'arrive pas à prendre ma douche et à laver mes cheveux correctement et à être satisfaite de mon lavage si j'ai pas assez de pression pour les rincer. Donc bref, donc on a pris une douche, ensuite mon chéri a trouvé une solution pour regonfler le matelas, donc on a pioncé comme des petits bébés. Programme de ce matin, on va prendre le petit déj comme hier sur la terrasse parce qu'il fait frais, et on va passer du coup à Jiffy pour acheter le meuble que je vous disais hier soir, et après je rentre directement dans l'ancien appart, donc je vous reprends dès que je suis dans l'ancien appart, ou si on a acheté quelque chose à Jiffy, parce que s'il n'y a plus le stock on n'achète pas, tout simplement. Donc voilà, je vous retrouve du coup dans l'ancien appartement. On est rentré il y a à peu près 2 heures, quelque chose comme ça. On a mangé, mon chéri vient de partir à l'instant, donc moi je suis contente parce que je revois Amélia qui était restée à l'appart. Rémi lui était venu lui donner à boire et à manger et lui faire des câlins en récupérant quelques affaires quand on a dormi dans le nouvel appart, mais moi Amélia ça faisait 2 jours que je l'avais pas vue, donc je suis juste beaucoup trop contente de voir mon bébé, voilà. Donc je lui fais des câlins et tout, je me suis mis à l'aise, donc je ne vous filmerai pas tout en accéléré, je vous mettrai sûrement des petits avant après, parce que dans cet appartement là, là j'ai un ventilo qui tourne et le deuxième je l'ai éteint pour que vous puissiez m'entendre, mais vraiment il fait extrêmement chaud et pourtant on est dans la même ville, genre là dans l'appart s'il fait pas 30 degrés ça m'étonnerait vraiment, alors que j'avais les deux ventilos depuis 2 heures. Donc vraiment ça nous a un peu choqué la différence de température par rapport aux deux immeubles, ce qui fait qu'on a pris la décision qu'à partir du moment où on allait repartir dans le prochain appartement, Amélia viendra avec nous, parce que malgré le fait qu'elle ait de l'eau fraîche et tout ça, et qu'on lui laisse accès à la salle de bain puisque c'est la pièce la plus fraîche, il fait quand même beaucoup plus chaud ici que là-bas. Du coup on a pris la décision qu'elle viendrait avec nous pour le prochain trajet, pour qu'elle puisse tout simplement elle aussi avoir un appartement frais, et donc on la mettra tout simplement dans la salle de bain de la nouvelle maison, pour éviter qu'elle se blesse avec les meubles qui nous reste encore à monter, le déménagement et les petits travaux qu'on doit faire par rapport à l'eau. Donc elle restera dans la salle de bain, mais au moins elle sera au frais avec nous et ça sera beaucoup mieux. Donc là, programme du jour, je tourne la caméra et je vous explique. Programme du jour, finir du coup toute la salle de bain, bon, tout en cartonné, jeter la poubelle, il faut qu'on rachète cette poubelle, on en a plus, donc vider tout, tout nettoyer et tout, pour que ça on ait plus à s'en occuper, monter ce carton là en haut, cette boîte là je vais m'en servir pour tout ce qui est effet personnel, donc elle restera en bas, toutes les boîtes là qu'il y a sous le lit, je sais pas si on va les voir, c'est des boîtes du coup de vêtements qu'il va falloir que je monte à l'étage, ça faut que je le monte, ça faut que je range l'aspirateur, ça il faut que je le monte, tout ça il faut que je le monte, ça faut que je le monte également, tout ça c'est le papier bulle qu'on a récupéré pour faire les cartons de vaisselle. Donc là ce que je vais m'entamer à faire c'est d'abord la salle de bain et après j'essaierai de monter tout ça à l'étage. C'est sûr que c'est la partie la moins fun dans les déménagements, c'est de faire les cartons et d'organiser le déménagement des cartons, des meubles et tout, mais il faut le faire, donc on va s'en occuper. Ça va être une journée très compliquée, vous risquez de me voir avec beaucoup de plans, avec de la Monster dans la main, puisque je suis très fatiguée et que la Monster m'aide à tenir, et qu'en plus de ça elle est fraîche, et vu les chaleurs, croyez-moi que j'ai besoin de fraîcheur. Donc du coup je vais pas vous garder plus longtemps et c'est parti. Petit update, au bout d'une heure, on n'a plus de carton ni là ni là. Enfin, si, nous en reste deux. Sachant que celui-ci est un petit peu trop lourd pour que ce soit moi qui le monte. Donc, c'est pas moi qui le monterai. Et celui-ci, je viens de le faire, c'est avec des produits qui viennent de la salle de bain. On a aussi plus de carton ici, je l'ai monté. Et du coup, là, le but, ça va être de vider le dressing et de le démonter. Je suis pas encore allée en haut puisque, en fait, il fait beaucoup trop chaud. Rien que de poser les cartons, j'ai failli faire un malaise. Il fait 2 fois plus chaud en haut qu'en bas.
Du coup, je vais faire tout ce que j'ai à faire en bas la journée. Et le soir, quand ça se rafraîchira, en fait, j'ouvrirai la fenêtre du haut et je m'occuperai du haut. Donc, petit changement de programme. Mais on s'adapte. Du coup, je vais m'attaquer à tout ça. Et franchement, comment vous dire qu'il y a du taf. Je vous retrouve, il est bientôt 18h. Je pense que ce vlog sera tellement court que je vais le cumuler à demain, vu que je vais faire en fait la même chose aujourd'hui et demain. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai vidé le dressing. J'ai démonté le dressing, j'ai fait un coin où il y a toutes les affaires qu'on va devoir jeter. À côté, j'ai monté tous les cartons du coup que je devais monter, sauf un qui est en fait un petit peu trop lourd pour moi. Et étant donné que dans pas longtemps, je dois me faire enlever mon implant et que dès que je force trop, ça me fait très très mal. C'est comme si ça me piquait dans le muscle. J'ai parlé avec mon chéri, il m'a dit qu'il le ferait quand il rentrerait. Donc on a deux poches de vêtements, une pour moi, une pour mon chéri pour la fin de la semaine, donc ce qui nous reste dans le dressing. J'ai encore pas mal de petits bazars sur le lit à ranger, il faut que je trouve de quoi le ranger. Étant donné que j'ai plus de carton, j'ai deux boîtes qu'on va garder dans lesquelles j'ai rangé des trucs un petit peu fragiles. Et donc voilà, donc je vais déjà vous retourner pour vous montrer un peu dans quel état c'est et tout ce que j'ai fait. Et dans tous les cas, je vous montrerai en haut tout à l'heure ou demain. De toute façon, ça sera dans ce vlog là, puisque j'ai déplacé en haut tous les meubles que j'ai mis d'un côté. De l'autre côté, sur le mur qui est en angle, en fait, j'ai mis tout ce qui est carton. Et au milieu, il y a un meuble qu'il va falloir qu'on jette, qu'il faut que je démonte. Ça sera plus simple pour le faire, sachant que je pense même pas que je vais me faire chier à enlever les vis, puisque je pense que si je monte dessus, il s'effondre tellement c'est humide le bois. Donc je pense que je vais le faire s'effondrer tout simplement pour qu'on ait juste les planches à descendre. Donc voilà, donc c'est déjà pas mal. Je pensais pas avoir démonté autant de choses pour ce soir, donc ça va être cool parce que finalement on va pouvoir mettre les affaires aux encombrants en deux fois. Ça sera beaucoup plus simple pour les gens qui passent au niveau des encombrants. Donc je suis très contente et très satisfaite de ce côté là je voulais vraiment leur faciliter la vie, parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup, et si on peut éviter de leur faire déborder le camion et que ça devienne dangereux pour eux, et ben c'est toujours mieux. Donc on va le faire en deux fois, comme on sait qu'on a beaucoup de choses, pour éviter tout simplement un accident. On n'a pas envie qu'il se fasse mal ou quoi que ce soit. On fait déjà très attention qu'il n'y ait pas de pointe qui sorte, qu'il n'y ait pas une vis qui ressorte. On enlève vraiment tout. Donc voilà, je retourne et je vous montre ça. Du coup, comme je vous l'ai dit, pour en bas j'ai bien avancé. Donc ici on n'a plus du tout de dressing, donc le dressing est démonté là, là, là. On a tout ce qui est planche et tout. On a le ventilateur qui a cramé, on a le miroir derrière, les petits bacs là en espèce d'osier qui sont complètement pris par la moisissure, l'étagère qui est pareil, qui est piquée. Là-dedans on a des affaires qui sont piquées également. Ici aussi on a des affaires qui sont piquées. Et là du coup on a le carton qui est trop lourd, poche de moi, poche de mon chéri, ou inversement je ne sais plus, le sapin de Noël et ça. Donc de ce côté là va falloir qu'on jette toute cette partie là une fois que ça sera fait, ça sera bon. Ça se jette pas, c'est des choses qu'on va devoir ramener également. Et en bas on a quelques petits trucs encore à ranger et à jeter, mais franchement, même si ça paraît être le chaos, j'avance quand même plutôt pas mal et plutôt vite, donc je suis contente malgré la chaleur. On a un ventilo qui fonctionne ici et j'ai le deuxième que j'ai arrêté juste pour vous, pour éviter que ça fasse trop de bruit. Mais il fait tellement tellement chaud en bas et en haut, c'est encore pire, que je fais de mon mieux. Et vu la chaleur qu'il fait et vu mon taux de fatigue et de mal de bras, je suis quand même plutôt fière de moi. Donc j'ai vu avec mon chéri, il va voir pour aller récupérer des cartons ce soir après le travail. Voilà, et je verrai comment j'avance du coup tout à l'heure et demain. Et je vous montre de toute façon au fur et à mesure comment j'avance. Je vous retrouve, et comme vous aurez pu le remarquer, je n'ai pas la même tenue, donc on est le lendemain, toujours accompagnée de ma chère fille. Là aujourd'hui, du coup on est le lendemain, ce que j'ai fait, c'est que hier mon chéri a ramené des cartons, donc j'ai fait carton, 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 carton. Là il y a des vêtements, les cartons de ventilateur, là les deux qu'on a, ils sont aussi remplis de produits. J'ai fini de ranger entre gros guillemets en haut, j'ai refait quelques cartons que j'ai montés, j'ai commencé à faire des cartons de vaisselle, j'ai commencé à finir de ranger la salle de bain. Donc là je vous montrerai quand je monterai en haut, parce que j'ai encore une machine à laver à pendre, donc je vous montrerai ça quand j'irai pendre cette machine à laver. Et on a un changement de programme.
Demain, mon chéri est en repos et après-demain également. Donc, c'est ces deux jours de repos. Et heureusement, cette semaine, ils sont consécutifs. Donc, on est content. On a prévu de faire pas mal de choses demain. Je vous pose parce que le téléphone est très lourd. Hein. On a prévu du coup demain d'aller faire quelques courses pour le nouvel appart. Donc des courses alimentaires pour qu'on ait un peu ce qu'il faut là-bas. Il faudrait qu'on monte idéalement le meuble de télé, la deuxième partie qu'on a achetée. Et on aurait bien aimé en fait faire le transfert avec Amélia. Donc comme mon chéri a envie de dormir ce soir là-bas et qu'on a trouvé une solution pour le matelas gonflable, on va dormir là-bas, sauf que on ne peut pas amener Amélia. Et on est dégoûté parce qu'on ne voulait plus la laisser ici à cause de la chaleur. Donc on va la laisser une dernière nuit là-bas et on ira la chercher demain après-midi. Parce que en fait j'avais une cage de transport en plastique et je pense qu'elle n'a pas supporté la chaleur puisque c'est des petits claps qu'on met sur le côté. Et en fait dès que j'ai mis les claps, le plastique s'est complètement cassé et émietté. Donc je pense que c'est avec la chaleur que ça a dû faire ça parce que je vois pas d'autre explication en fait. Donc la cage de transport n'est plus du tout valide, donc on peut plus amener Amélia. Donc on s'est dit que ce soir on va y aller. Après le boulot de Rémi, on va ramener avec mon petit caddie de grand-mère, comme j'aime bien l'appeler, puisque ma grand-mère avait le même. On va ramener quelques vêtements, on va ramener une casserole, une poêle, on va ramener un petit peu de bouffe, des patates, un paquet de pâtes, un truc comme ça. Et on va dormir du coup là-bas. On a vu, je pense qu'on va se manger un petit McDo ce soir pour là-bas. Voilà, vous savez, les menus à 6,99€ ou 5,99€, les McFirst là qui coûtent vraiment pas grand-chose. Et du coup, on ira chercher demain matin, dès le réveil, on va faire quelques bricoles de courses. Et on va aller lui chercher du coup une nouvelle cage de transport. Comme ça, dès qu'on a posé les courses, on peut directement venir récupérer Amélia. Récupérer quelques affaires, une litière, les machins et tout. Et on la ramènera dans le nouvel appartement. Donc voilà, donc elle sera dans le nouvel appartement. On va profiter un petit peu de l'appartement le reste de la journée, je pense. Et on y retournera pour le deuxième jour de repos ici avec mon chéri pour qu'il m'aide du coup à démonter les meubles qu'il faut démonter et pouvoir monter surtout tout en haut puisqu'on ne veut pas que les personnes qui viennent se fassent chier en fait à devoir descendre dans la chambre pour monter les colis en haut pour les redescendre au camion. Donc voilà, donc programme pour les deux prochains jours assez chargé. Mais du coup, on s'est dit que ce soir, on va y aller. Donc ce que je vais faire, c'est que moi c'est pas du tout encore l'heure. Là je vais finir ce que j'ai à faire. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai avancé et puis voilà pour le petit topo. Du coup je viens de finir la salle de bain, donc je vais vous montrer où est-ce que j'en suis au niveau de la salle de bain et comment on s'est organisé. Cette pièce est terminée, donc je suis déjà plutôt contente puisque c'est une pièce de terminée, donc un point en moins tout simplement. Du coup pour la salle de bain, quand on rentre, on a les sacs poubelles qu'on va aller jeter. Ici on a tous les produits ménagers qu'il va falloir qu'on laisse là pour nettoyer tout cet appartement. Ça, il va falloir qu'on le jette. C'est un tuyau qu'un artisan nous avait laissé là en réparant en fait les problèmes d'eau. Donc on va le jeter également en même temps. Au niveau des toilettes, c'est bon là, vous, je sais pas si vous rappelez, il y avait des meubles et tout. Donc l'étagère a été démontée, le meuble en plastique est vidé. La douche, on a juste laissé shampoing, gel douche et un petit gant de toilette pour quand on viendra se laver ici. Ici, on a toujours un lave-main et les deux verres et un petit déo. Donc voilà, tout le reste c'est vide. Ça, du coup, on le laisse ici. Le placard en dessous est également complètement vide et du coup j'ai juste laissé une poche ici où en fait où il y a tout le reste de la salle de bain pour que quand on parte on ait juste à mettre ça, ça et ça là dedans et qu'on puisse partir. Donc cette pièce est officiellement terminée, sauf que j'ai beaucoup de travail dans la chambre, donc on s'attaque à la chambre. Maintenant que la salle de bain est terminée, j'ai pu m'attaquer à la chambre entre gros guillemets. J'ai fait quelques petits trucs, j'ai rangé un peu, c'est quand même encore pas mal le bazar. Mais pour aujourd'hui ce sera tout, sachant qu'on revient demain, donc c'est pas très très grave. Comme je vous l'ai dit, ce soir on va aller donc du coup dans l'autre appartement et on va acheter dès demain matin du coup la caisse pour Amélia. Et Rémi m'a dit que dès qu'on l'avait on repartait directement la chercher et l'amener dans le nouvel appart.
Donc de ce côté-là, on est d'accord, c'est sûr, Amélia vient avec nous demain. Et ce qui est trop cool, c'est que ce soir, comme on doit ramener quelques petits trucs, j'ai demandé à une copine qui passe devant si elle peut tout simplement me déposer avec quelques affaires à l'appart pour éviter que je fasse tout simplement 45 minutes à pied chargée sous la chaleur qui fait ces derniers jours. Et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, donc c'est cool, je dois la rejoindre à 18h30. Et comme ça, elle me récupère au passage et on peut tout simplement aller à la maison. Donc c'est trop trop cool. J'aime trop les potes comme ça parce que faut savoir que on a beaucoup de copains et de potes et de copines du coup qui vont nous aider pour ce déménagement. On a mon meilleur ami et sa chérie qui vont nous aider. C'est lui qui a le permis, donc c'est lui qui va louer le camion à son nom pour pouvoir nous faire le déménagement. Donc c'est juste adorable, ce sont des gens incroyables. Et j'ai du coup ma deuxième copine qui est toujours hyper sympa, qui nous propose toujours des choses. Elle nous a proposé d'aller à IKEA, là elle est d'accord pour me déposer pour que ça m'arrange et tout. Vraiment elle est adorable. Ayez des gens comme ça dans votre vie, c'est juste incroyable. Donc voilà, donc je suis juste trop contente. Donc je vais aller la rejoindre à 18h30. Et en attendant, bah, je vous montre un peu comment ça a évolué. Trigger warning, oui, c'est le bordel. Mais c'est déjà un petit peu mieux. Et je vois que les choses avancent. Et après ça, du coup, je vais directement monter en haut parce que j'ai encore la machine à laver à attendre avant que je l'oublie. Et je vais essayer d'avancer aussi un petit peu en haut avant de partir. Du coup le plus gros changement se voit ici, donc j'ai fait comme je vous ai dit carton, tout ça c'est les cartons qui étaient déjà faits, là-dedans j'ai mis quelques petits trucs, là on a ma ring light, un écran, le sapin de Noël, ça c'est des verres qu'il faut que je remonte pour plus qu'il y ait de vaisselle en bas, tout ça là, toute cette partie là, clouc, ça va être à jeter. Ça c'est des choses encore que je dois trier, la valise est fermée, continuer, ça sera à ramener. Ça mon chéri du coup m'a dit qu'on allait la garder parce que du coup elle était moisie mais que en surface, donc on l'a bien nettoyée, du coup on va la garder. Par contre je vais la poncer, je vais lui faire un traitement et la repeindre, donc voilà. Par contre les plaques beaucoup trop touchées pour qu'on les garde, ça sera amené. Au niveau de là, il y a un ou deux trucs qui traînent, mais franchement ça va. Ça c'est une poche de sac, ça c'est la table, ça c'est l'aspirateur qu'il va falloir que je range une fois que j'aurai fini de le nettoyer. Et du coup bah il y a juste le lit qu'il va falloir que je fasse. Et il y a un petit peu de bazar ici, mais franchement c'est pas catastrophique. Donc j'ai fait mon sac à dos, j'ai encore plein de choses à amener et à mettre dans mon sac à dos, ça aussi. Et donc bah je vous reprends en haut. Je vous retrouve, je suis donc montée à l'étage, je me suis changée. J'ai mis jogging, débardeur parce que j'ai peur de sortir en robe toute seule quand il n'y a pas mon chéri suite à ce qui s'est passé dans la rue dans laquelle on habite. Bref, j'ai fini l'étage, enfin fini, pas du tout. J'ai fait tout ce que j'avais à faire à l'étage avant de partir ce soir. On finira demain, donc je vais vous montrer tout ça et c'est parti. Donc pour l'étage du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les meubles. Donc là, ça on amène, ça on amène, ça on amène, ça on amène, ça on amène. Ça c'est les meubles qu'on amène. Là, il y a tout ce qui est make-up. Je l'ai mis ici pour être sûr qu'on le prenne en voiture en premier et que ça soit stabilisé. Là, on a le meuble du coup de télé qui va plus être le meuble de télé, mais c'est pas grave. Ce meuble-là est à jeter, ça c'est à donner. L'arbre à chat Amélia va être à jeter. Ça c'est mon sac à dos, ça c'est mon sac de bouffe. Tout ça, c'est tout ce que j'ai déjà empaqueté. Donc vraiment, il y en a une quantité genre juste indécente. Voilà, il y a tout ça. Sachant qu'il faut encore que j'empaque tout ce qu'il y a là, 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 et qu'il en reste encore là. Et que le trois quarts de la vaisselle est faite. Donc je le laisse égoutter. Le linge, va falloir que je le ramasse une fois sec. Ça, c'est la couette. Donc franchement, ça va. Je veux dire, on a bien avancé quand même. Parce que quand on voit ça... Et quand on voit ça, c'est déjà pas mal, mais il reste encore pas mal de boulot. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller. Comme je vous le disais, je vais y aller. J'ai préparé du coup mon sac à dos et le sac isotherme avec de la nourriture pour amener dans le prochain appart. Je vais rejoindre ma copine du coup qui va me déposer dans le prochain appart. Et du coup, bah, on se retrouve à ce moment-là. Je vous retrouve, je suis du coup dans le nouvel appartement. Comme vous aurez pu le voir, c'est très lumineux. Donc j'ai pas l'habitude, mon téléphone a un peu du mal. Mais bon, voilà, je suis rentrée il y a une petite dizaine de minutes. J'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger dans le placard, dans les frigos et tout. J'ai mis du linge à étendre sur le salon de jardin. Parce qu'il y a des choses que je voulais à tout prix prendre qui n'étaient pas tout à fait secs. Et là, vu que ça va être sec ce soir, je les avais mis dans une poche exprès et je les ai mis à sécher dès que j'arrive.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter la deuxième partie du meuble de télé avant que mon chéri rentre. J'aimerais bien lui faire la surprise pour qu'il soit content. Sachant qu'il y a un épisode où je vous ai montré, comment je monte l'autre partie. Ben, je me dis que je vais monter celui-là de mon côté. Je vous montrerai une fois que ce sera terminé. Je vous reprends. J'ai enfin terminé le meuble télé. Tididim. Vous le voyez pas beaucoup, mais c'est pas grave puisque je vais retourner la caméra pour vous montrer ça. Du coup voilà la bête terminée, franchement je suis trop contente. Donc j'ai mis une étagère là, ça sera pour mettre toutes nos figurines Star Wars en déco. Ici j'ai mis trois portes, donc elles sont aimantées, donc c'est génial. Donc une, deux et trois. En bas on a du coup les deux portes. J'ai rajouté un tiroir ici afin de pouvoir ranger tout ce qui est câble et tout. Et on a ici l'emplacement pour la livebox, etc. Et du coup la télé elle ira là. Et franchement je suis quand même relativement contente. J'adore les défauts du bois, les défauts entre gros guillemets, vous savez, toutes les traces comme ça, tout ce qui est comme ça, je trouve ça magnifique. C'est pour ça que j'ai essayé de les mettre le plus en avant possible, parce que j'adore quand ça sera avec le vernis de cette couleur là, ça sera juste magnifique. Mais je suis beaucoup trop contente. Le truc c'est que je sais pas si je mets la colonne de ce côté là ou de l'autre. J'avais pas envie de la mettre de l'autre parce que je me suis dit que ça casserait un peu la lumière. Mais bon, on verra bien. Dans tous les cas j'adore. Donc voilà. Donc là mon chéri devrait débaucher d'ici une petite demi-heure. Il m'a dit que ce soir on mangeait McDo. Voilà, je suis trop contente. Donc ça sera encore une fois les menus premier prix. Mais c'est toujours cool quand on fait une journée carton et tout ça, qu'on court un peu, qu'on organise tout et tout, d'avoir un petit moment détente. On va pouvoir manger mon truc préféré d'Omac. Je suis trop contente. Donc là il devrait arriver d'ici une demi-heure. Donc je vais l'attendre gentiment en regardant des petites vidéos YouTube sur mon canapé dans mon salon improvisé. Voilà. Je vous reprends, je me suis posée du coup dans mon canapé de fortune. Finalement mon chéri n'arrivait pas du tout dans la demi-heure. Je me suis carrément trompée d'horaire puisqu'on est littéralement 2h30 plus tard. Du coup il m'a demandé ce que je voulais manger au McDo. Sauf qu'il n'a pas vu mon message, donc je ne sais pas ce qu'il va me ramener. Et j'étais en train de regarder les vidéos d'Héloïse Delay. Ça s'écrit D-E-L-H-A-Y-E, je crois, quelque chose comme ça. De toute façon je vous mettrai en lien sa chaîne en barre d'infos. J'adore ce qu'elle fait. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça avec ses vlogs déménagement, parce qu'elle avait 24 jours en fait pour rénover un appart et faire son déménagement. J'adore, je kiffe. Donc je l'ai découvert grâce à ça par pur hasard. Et j'ai adoré. Et du coup je regarde ses vidéos et elle fait des vidéos bruit du quotidien. Moi faut savoir que quand je suis chez moi seule et qu'à part Rémi, je mets pas de musique, en fait j'ai pas de bruit de fond, puisque dans l'ancien appart on n'avait pas de télé ni rien, et en fait j'entendais tous ces bruits. Et moi c'est quelque chose qui me détend énormément. Et je savais pas qu'il y avait ce genre de vidéos sur YouTube, et du coup je tombais sur elle et je suis trop contente de l'avoir découvert. Donc je voulais vous partager ça, et je voulais aussi vous partager ça. Je sais pas si vous verrez très bien avec le contre-jour et tout, mais en gros je suis posée et je suis en train d'admirer un magnifique coucher de soleil depuis plus d'une heure. Le soleil se couche doucement mais sûrement, là on est sur la fin, c'est à dire qu'on sait quand c'est un peu orangé, rose et tout. C'est incroyable, la lumière dans cet appartement c'est insane. Genre vraiment quand t'as eu l'habitude de vivre comme moi dans une cave, puisqu'on avait deux fenêtres qu'on pouvait jamais ouvrir à cause des voisins, et que là t'as une porte-fenêtre qui a trois trucs, t'as la lumière qui rentre toute la journée, et le soir t'as le bonheur d'être soit sur ta terrasse, soit sur ton canapé à regarder le coucher de soleil. C'est incroyable. Je suis trop heureuse. Je suis vraiment... Je sais que pour certaines personnes ça sera débile, mais ça me rend tellement heureuse. C'est un truc de malade. Voilà, je suis trop contente. D'ailleurs, quand j'ai fait ça, vous avez dû voir. J'ai du linge qui sèche. Et ceci. Et ma culotte. Qui est en train de sécher. Parce que je l'ai lavé. Wally walou. C'était très magnifique. Du coup, bah, j'attends Rémi. Et voilà. Et je me sens bien. Ça change de ces derniers mois. Ça change. Oh, je suis trop contente. Voilà, j'avais juste envie de vous partager ça. Donc, on attend le McDo. Oui. Regardez ce qui vient d'arriver. On va regarder une vidéo. C'est Poisson Fécond, tu m'as dit qu'on va regarder ce soir. Ouais. Et après on regardera s'il y a d'autres vidéos. Mais je l'aime bien.
Je trouve qu'il fait de vidéos intéressantes. Aujourd'hui, c'est le vlog de je vous montre les chaînes que j'aime bien. Poisson fécond. C'est cool. Il en a plusieurs. Allez les voir toutes. Elles sont trop bien. Bref, du coup, on va manger. Je vous montre pas trop Rémi parce qu'il est torse nu. Donc, je vous montre juste sa tête là. Parce qu'il est beau quand même. Mais je vais pas vous montrer. C'est parce qu'il vient de rentrer. Du coup, on va miam miam. Voilà. Je suis trop contente. On va miam miam. Ça là là. Kiwi, trop bon. Tu es beau, mon amour. Tu m'as manqué. Bah, oh, mais je l'attelle, moi. Oui, miam, miam. Je vous retrouve. On est le lendemain matin, comme vous l'aurez vu, à ma dégaine. J'ai oublié hier soir de clôturer le vlog parce qu'on était très, très fatigués. Et du coup, je suis allée dormir comme une merde. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et du coup, bah, je vous dis à demain pour vous, pour le prochain vlog.